Et hoyo Minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Suite au dernier épisode, je me suis déplacé vers la maison. Et notre cher Deacon qui m'a posé des questions. Donc, vous verrez ça quelques secondes après là. Donc voilà. C'est un petit scoop. Mais tout ça, c'est du flan. Elle fait ce que je lui demande. Parce que le réseau du rail, c'est mon bébé depuis que je l'ai fondé. Wow! C'est quoi cette surprenante, on va dire, histoire? Ok. Quoi? C'est vous qui avez fondé le réseau? Eh ouais. Avec Johnny Day et Watts, c'était il y a quoi? 60? 70 ans? J'ai perdu le compte. Je raconte à tout le monde que je me fais refaire le portrait de temps en temps pour rester anonyme. Mais la vérité, c'est que c'est du boulot de garder une belle gueule. On en a fait du chemin. On a fait plein de trucs dont on peut être fier. Et sauver un paquet de synthétiques. Mais ça s'arrête pas là. On est la seule et unique ligne de défense entre l'Institut et le Commonwealth. Et peut-être même entre l'Institut et le reste du monde. Vous m'avez déjà menti au moins une fois. Et là, vous êtes en train de recommencer. Ouais, j'avoue. Mais c'est le genre de mensonge que vous risquez d'entendre un peu partout. Des organisations, il en existe d'autres. Et dès qu'elles en auront l'occasion, elles feront tout pour vous faire gober leurs conneries, elles aussi. Ignorez leurs beaux discours et regardez ce qu'elles font vraiment, ce qu'elles vous demandent de faire. Le genre de monde qu'elles veulent bâtir et la façon dont elles comptent le financer. Alors, dites-moi, quel est le but du réseau? On ne cherche pas à sauver le monde. C'est un boulot trop ambitieux pour nous. Mais on essaie quand même de le rendre meilleur en sauvant les synthétiques. On s'occupe des gens aussi, on leur file un coup de main quand on peut. Certains trouvent que ça suffit pas, mais c'est mieux que rien. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous pensez de nous? Et au bout du compte, vous devrez faire un choix, le bon de préférence. Ok, donc voilà. Bon, on est de retour. Donc voilà. Donc là, je vais déposer mes affaires qui sont sur moi, quoi. Donc voilà, et je vais récupérer les armes qui sont sur Deacon. Enfin, si je le retrouve, il est passé où? Voilà. Hey. Dites-moi ce que vous voulez. Ce qui est à moi est à vous. J'imagine que je pourrais emporter une partie pour vous. C'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Ah ouais. Ok. Ouais. Bon. Bon, je sais pas si elle a beaucoup d'argent sur elle. Je vais quand même prendre ça. Je veux des capsules. Non. Je sais que j'en ai quelque part. Manta. Là. Carla. Il vous faut quelque chose? La route est longue à partir d'ici. Ouais, elle est longue, ouais. Allez, c'est parti, on va troquer. D'accord, voyons ça. C'est toujours un plaisir de réaliser une vente. Et voilà, j'ai vendu toutes mes armes, enfin toutes les choses que j'avais sur moi en surpoids, donc voilà. Donc là, c'est parti, là je vais mettre des choses dans l'atelier et je reviens après. Ok, voilà, j'ai déposé tout ce qui me servait à que dalle pour moi. Donc voilà. La vie n'est pas parfaite, mais on survit. Je vais stocker les armes que je vais laisser. Savoir que vous avez aidé ces gens. Ok, maintenant on va poser les restes. Ok, poser quelques bouffes qui me servent à rien, je pense. Là, déposer les armures, bien sûr aussi. Voilà, je crois que j'ai déposé ce qu'il fallait. Trop de place quoi. Après la bouffe quand même elle prend 0,5, j'en ai fois 10, ouais ça prend quand même 5 poids. ouais
Un poids, ok. Sérieux. Non, s'il y a une compétence pour diviser le poids en deux, je m'en rappelle pas s'il y en a une. Normalement, il y en avait une sur le Fallout 3, je crois. J'espère qu'il y a ça. Là, je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer, on va dire, sur mes armes. Donc, on se reprend après. Ok, voilà, j'ai amélioré mon arme. C'est là. Non, c'est une 3 canons, a fait 17 dégâts. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ok, donc maintenant, là, j'ai tout ça, ok. Je pense que je vais aller installer le Mila. Et voilà, on est chargé. C'était tellement sympa. Putain, mais c'est qui eux? Tu peux dire à tes potes qu'on sera là toute la semaine, saloperie. Vous avez failli vous en tirer. Voyons s'ils nous ont laissé quelque chose d'utile. Mais... On dirait que ça va devenir marrant. Ah bah, vous étiez pas loin. Pas la gueule ! Prends-toi, j'en aurais fini vite fait. C'est là qu'on est censé sortir une réplique. Vas-y. Ouais. Saleté de bruit. Je vais y aller dedans, je crois que ça sert à rien. Il retournait à bord peut-être pour du loot, mais je vois pas trop. Mine nucléaire, ok, d'accord. Mais ça, c'est dans une caisse, mine nucléaire. Ouais, pourquoi pas. Moi, où il faut que j'y aille, c'est ici. Ok. J'ai entendu un bruit. Avant de vous. Ah, mais t'as qu'à pas te mettre devant. Faudrait que j'ai un cri de guerre. What? Vous vous débrouillez vraiment bien. Un peu trop, même. Hein? Un bruit? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Mes oreilles me jouent. Y'a quelqu'un? Le temps super mutant. Un bastos qui peut encaisser dans le crâne, mutant. J'adore le mutant, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a sérieux? Bon, c'est l'heure de mériter notre salaire. C'est un boulot payé, d'accord. Qu'une issue possible. La mort de nos ennemis. Oh, quand faut y aller. De merde, sérieux. Ok. Le truc, c'est de pas mourir. Il y a tout, c'est de mourir, mais... Où sont les ennemis? Ah, putain. Je peux pas sauter par là. Ah si. Pourquoi vous...
Vous vous battez toujours, saleté d'humain. Vous resterez pas caché longtemps. Je les ai perdus. Alors voilà. C'est vous qui nous avez créés, humains. Vous allez payer pour votre arrogance. Mec, il me tire de gueule loin, c'est pas de... What? Je peux moi t'épargner. Non, ouais. Greg, c'est fini. Ouais. Quand vous aurez fini de déplier ce cadavre... Ah ouais, un scotch. Ouais, okay. Ça, c'était pas dans le script. Et il est où le mec qui tire, là, sérieux? De bouger, saleté. Vois-tu les suis possible. Hurle autant que tu peux. Ils nous ont laissé quelque chose d'utile. Voilà, ça c'est fait. Ok. Moi qui pensais redescendre par là, ben non. On va se taper tout à pied. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ça. Ok. Quoi, poule mouillée? Attends, t'es où toi? T'es où? Plus là. Dommage. Ouais, c'est le cas. Toi, la poule mouillée, tiens, mange. Attends, moi je suis un ouf. Moi je suis un ouf, tu vois. Connaître qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer avec vous. Pour moi, il n'y avait que ça. Donc, bonjour, il n'y a personne. Il n'y a que d'elle, ok. Alors, en même temps, j'ai déjà fouillé cet endroit, donc... C'est ouf qu'il y aurait plein de choses, quoi. La porte des super mutants en rut, mais après... Je veux pas trop. Il est où? Intéressante. C'est quoi ça? Un fangeux. On va laisser tranquille. Pas me faire chier avec un fangeux quoi, sérieux. La quête suivante, elle est où? Bon, comme ça à côté. Hein. Ok, on est dans ce QG, ok, d'accord. Le docteur Carrington voulait vous parler. Deacon a les meilleurs états de service de tout le réseau. Ok, là, je parle à ton abricole, je pense que je ferai quelques achats. On n'arrête pas de dire. T'as abusé de la dope, tu planes. Tu planes, man, tu planes. Et j'observe. Lel. Avec le projet Mila, il faut pas avoir le vertige. Ouais. J'ai encore des Mila à placer si ça vous intéresse. Ou on peut parler commerce. Tranquille. Montrez-moi ce que vous avez. Ça marche. Voilà. Pour moi, il y a d'autres qui... Cet endroit, nous, tout ça, ça n'a jamais existé. Hey, okay. Carrington. Ah, vous voilà. Parfait. Il y a du nouveau. Une bande de pillards a capturé l'un de nos agents. Nom de code, Corbeau. Le problème, c'est que nous pensions qu'il avait été tué. Au repère Augusta. Aussi improbable que ce soit, Desdemona espère que Corbeau est bel et bien vivant. Et qu'il pourra nous dire ce qui est arrivé des synthétiques d'Augusta. Et c'est vous qu'elle charge de cette tâche futile. Si Corbeau est vivant, il faut le ramener. Comme vous voudrez. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte aux lettres mortes. Les prisonniers des pillards n'ont pas une grande espérance de vie. Enfin, bonne chance quand même. Ok. Plus qu'une heure avant la fin de mon quart.
Il faut sortir par où? Il paraît que Diamond City est aux mains d'ennemis. Confirmation. L'agent Ninja est là. Ah oui, le robot. J'ai une mission pour vous. Sans amélioration de l'efficacité de leur gestion, le risque que toute l'organisation se retrouve compromise augmente quotidiennement. Solution. Un nouveau centre de distribution doit être créé. Ouais, mais on va dire chouette. Tu dois établir une nouvelle base ? Chouette. Les préférences animalières de l'agent sont hors de propos. Envoie des détails de la mission. Pacifier la cible. Fortifier la position pour protéger les éléments actuels et futurs du réseau du rail. Le nouveau centre de distribution s'appellera Repère Mercer. Bonne chance. Ok. Je suis même pas sûr qu'un pilleur voudrait de ce truc. On sait jamais, hein. Ok. Je suis passé par là. Ok, d'accord. Ok, eh ben apparemment je vais rentrer dans ça. Ok, ben let's go hein. Oh, je suis déjà rentré dans ce truc. De quoi? Plus rien. Tu deviens parano. Je l'ai suivi. Reprenne. Putain, pourvu que ce soit pas encore des ghouls. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? C'est encore plus dangereux qu'une ghoul. Hein? J'entends quelque chose. Hein? Hmm? Les voilà. Hé, hey, c'est quoi le... Je peux dire à tes potes qu'on sera là toute la semaine, saloperie. Qui est là? C'était phrase, Milton. J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps. Ça sent la buscade à plein nez. Faut pas flipper pour rien. Chut, j'ai entendu quelque chose. Qui est là? Qui est là? Tu dois devenir dingue. C'est rien. Enfin... Y'a quelqu'un? Du bruit. C'est que du bruit. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Le jet se rend un peu nerveux, comme disait. J'aime bien cet endroit. Un peu mon cul. Merde, c'était quoi ça? Vu quelque chose? Ah, il faut monter pour la joie. C'est bien ça. Oh, ça va chier! J'ai entendu un bruit. Nouveau modèle économique? Un partenariat avec une banque? Vous voyez où je veux? Sans vouloir vous faire flipper, je crois qu'on n'est pas seul. Ah ouais? Vous m'avez fait flipper pour chance. Bordel de merde! Oh! T'aurais mieux fait de filer! Quand faut y aller! Vas-y! Ah! 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 On balle, les gars! Y'a rien du tout! Ah! Ah!
Okay, bah dis que. Allez-y, filez. Comptez. Hé, c'est moi qui fais ça normalement. Ça devrait pas être long. Mon bras! Vous avez le droit de vous enfuir, hein? Je dirais pas. Promis. Ça réveille, ce genre de truc. J'ai fait ça toute ma vie. Tu crois que ce sera différent avec toi? Ouais. Parce que je vais te tuer. Un signe. Bien ce qui m'inquiète. Allez, c'est terminé, ils ont dû foutre le camp. On peut te détendre. Je me détendrai quand je voudrais bien. C'est quoi ce bordel? Sérieux. Qu'est-ce que... Ah non, c'est rien. Tu veux te cacher? Ouais, c'est pas à les recevoir. Espèce de... On survit pour se battre un autre jour. Et mettez-lui une autre nuit. Bon, j'ai de la bouffe, hein. On va manger, hein. Hop. Je te balance. Ah merde! Bon, on a eu ça. Et un autre jour. C'est la FRQ ou quoi? Pourquoi vous jouez tous les héros? Tu vas crever, oui ou merde? Regardez pas, mais je crois bien qu'on nous observe. Ah bon, on nous observe? Les admirateurs secrets? Le truc, c'est de pas mourir. C'est ce qui s'appelle tirer droit, pauvre naze. Attention! Putain, me fait mal la souris. C'est vraiment un truc qu'on fait souvent. On dirait que ça va devenir marrant. Allez, grandir. Amène-toi. Et moi qui espérais passer la journée à lire Proust, merci de me l'avoir pourri. Proust. Mais là, le sérieux. Pourquoi faut toujours qu'il résiste? Arrêtez tous! J'ai une écharpe dans le doigt. Ah, c'est connerie, lui. Vous n'irez pas loin. Crevez, ah, si fait voir. C'est là que les méchants sont censés y rester. Grenade. C'est gagné. Encore une fois.
J'adore les bidules de l'ancien monde. En plus, ils valent leur pesant d'or. T'as vu ça, toi, tu comprends, toi. Tu comprends tout. Non, ça, je crois que j'ai déjà parlé. Hein. Enfin, j'ai déjà parlé. J'ai déjà fouillé ce PC. Ça sert à que dalle. Ok. J'avais... Quand je serai à la retraite, je monterai une boîte de ménage à domicile. C'est pas la demande qui manque. Il est sérieux, lui. Pas dû manger ce pâté de râteau. Voilà. Ça c'est fait. On dort une heure. Hop. Les humains sont vraiment des fumiers des fois. On libère les gens, non ? Ok, je fais quelques cuisines vite fait et je joue au grand prix. Et voilà. Je me demande ce que ça dit sur le plan acoustique. Bonne question. Ok, on va sortir par là. Ok. Ok, et voilà, donc c'est la fin de cet épisode, donc likez, partagez comme d'hab, et voilà, donc je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sur Fallout 4, donc voilà, c'était Guincho, bye bye.